J'ai pris qu'un. Alors, je sais pas si j'ai le jeu complet. Pour l'instant, j'ai accès que à la démo. Je sais que vous, normalement, si vous voulez acheter le jeu, que là, on va tester dans quelques instants, normalement, vous avez accès que à la démo. Et que moi, grâce aux statistiques, grâce à votre présence et grâce à votre enthousiasme sur les streams, en gros, toutes les statistiques, grosso merdo, j'ai pu accéder à avoir une clé. Mais le truc, c'est que c'est une clé de la démo. Mais je sais pas, en fait, si j'ai plus que les gens ont. Et c'est bien parce que le jeu est en français. On est un policier, donc. Donc ça me fait beaucoup penser à si vous avez peut-être joué à Grand Theft Auto Charlotte Noire. Vous. Là pour l'instant c'est vraiment la démo, la map est toute petite. D'ailleurs bonjour à vous, si vous regardez éventuellement cette rediffusion à partir de ce moment-là. Vous allez voir c'est vraiment sympa, comme je disais, voilà c'est un peu la conduite, un petit peu comme je disais GTA Charlotte Noire en vue dessus. On vous montre comment être un flic exemplaire. Et c'est ça que je disais que ça ressemble un petit peu à GTA en Charlotte Noire. Et ça se passe comme ça, bon là du coup c'est vraiment le trailer, on s'en fout de ce qu'on veut, c'est directement du gameplay bien évidemment. Nous apprendre du coup directement à jouer, on nous donne quand même quelques commandes bien évidemment, donc on part directement dès le début, on quitte le commissariat, puis c'est parti pour faire régner l'ordre. Donc je disais quoi, que oui, alors c'est un jeu de police, la police c'est parti pour faire régner l'ordre, le son du jeu était visiblement trop fort juste avant, avec la petite musique en mode synthwave et tout, genre s'ils faisaient juste un GTA comme ça, genre un remaster de Charlotte Noire serait tellement stylé. Pourquoi ce jeu m'intéressait comme je disais, c'était parce que voilà ça me faisait beaucoup penser à GTA Charlotte Noire et je voulais vraiment que je revive cette même vibe, et regardez ça me fait tellement, enfin, je suis certain c'est vraiment un clin d'œil parce que regardez, le premier truc que vous faites, c'est aller chercher un hot dog et le stand, c'est exactement le même. Mais la map est toute petite. Là, on se rend peut-être pas compte. Pas si je fais genre select. Regardez. Ça, c'est là où on est apparu. Hein. Voilà, ça, c'est la map. C'est une pré-alpha. Ah, je précise quand même, encore une fois, même si c'est écrit en gros. Ceux qui ne sauraient pas lire. Oui, parce que parfois, certaines personnes peuvent se dire « Ah, mais le jeu ne ressemble à rien, les graphismes sont moches !» Le jeu est vide, oui, ça s'appelle pas une alpha pour rien. Mais encore, j'ai envie de dire, pour une alpha, c'est déjà très 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 classe. Toutefois, faut quand même préciser que là, je réagis en, par exemple, en termes de graphisme, si vous dites que c'est un peu moche, vous avez tout à fait le droit. J'ai mis mes graphismes en faible, simplement pour pouvoir bénéficier d'un framerate assez élevé. Et visiblement, en stream, ça a l'air de tenir. Donc c'est cool. Allez, à couvert. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Dans la marmée. Get ready. Police, freeze. Drop your weapons. Morons. Non mais y a pas de skin, j'abats tout le monde. Light them up. Ah. Tourne, tourne, tourne. Ah. Vous ne mourrez pas vivant. Bah. Mort. Et braquage dans la marmée. Hein. Suspect is neutralized. C'est pas la loi française. Hein. C'est loin d'être la loi française. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the number one news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... Hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it's... Oh my goodness! Keep it tuned to ACTV, folks! Looks like we're in for a police pursuit! Get tighter to the suspect! Follow that vehicle! Attends, est-ce que je peux mettre la caméra comme ça? Ouais, je peux. On peut baisser la caméra, c'est bien. Là, faut pas que je tire sur les civils. Suspect vehicle was last seen on... Putain, okay, moi je passe pas. Ils sont vraiment à l'arrêt en fait, c'est con. Ils sont trop cons. Ils vont finir par descendre. Hein. Voilà. Suspect is on foot. Hey, you. Allez, à terre. Mets-toi au sol. 84 to central. We got a 10-15. Ah merde, mais attends, je suis en train de me dire, ah mais putain de. Moi, quand j'ai joué de mon côté, le jeu était pas bugué comme ça. Là, je veux dire, les mecs m'ont écrasé. Normalement, c'est passible de prison, ça. Il a écrasé un flic. Hein. Attends. Interaction. Résoudre. Parce que c'était pas le bon truc. Arrêtez le suspect. Là, faites monter le suspect dans le véhicule. C'est bon, cette fois, je peux. Escorter le suspect. Quit struggling. Voilà, assieds-toi dedans. Voilà. Voilà, escortez le suspect jusqu'au commissariat. Oh, c'est... Ça se passe pas comme prévu.
Les rues ne sont pas à vous. Ah bon, c'est ce que tu crois. Et voilà. Et simplement. Et voilà, regardez. Regardez, ils vont l'arrêter, ça y est. Hop là, direction les prisons. Et par contre, il a toujours son sac de thunes sur lui. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ah bah non, il est en salle de dégrisement. Ouais, d'accord. Morning, Cordell. M'en fous du briefing, moi je veux arrêter des malfrats. Check your handbook for the en vrai, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Vous skippez le briefing, non, en fait, tu... Non-respect, en fait, à ton supérieur. Donc, généralement, ça se passe mal, tu vois. Je veux dire, tu es censé faire, je veux dire, régner l'ordre. Tu n'es pas censé montrer le mauvais exemple. Le souvenir, là, on va devoir suivre du coup la Rocky. Il va nous dire comment mettre justement des petites amendes. Il faut que les pompiers puissent interagir avec la bouche incendie. Si les voitures garées dessus, c'est stationnement interdit. Il faut sévir. Good job. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Lui, il est bon. Lui, il est pas bon, il est expiré. Donc il faut... Is it expired? Give him a ticket. Alors, c'est quoi du coup, position du trottoir? Parkmètre avec... You're getting the hang of this ticketing. Là, c'est pareil, c'est évident. Les voitures n'ont pas le droit d'être garées sur le trottoir. Donc faut arrêter la bagnole. Faut embarquer la voiture. Right, non, je sais même pas si on peut les embarquer. Infraction pour stationnement. Bien sûr. Sur le trottoir. You're a natural. Mais moi, je veux le tirer dessus. Moi, je suis un malfrat. Je ne suis pas un vrai flic. Arrête tes bêtises. Hey. Vous savez pourquoi je vous interpelle, monsieur? Let's get out of here. Allez, on lui délivre une petite amende. Interaction. Allez, résoudre. Mettre une amende. Excellent. Mais oui, t'as pas le droit de graffer, c'est interdit. Voilà, encore un mec qui tag. Pas bien ça, monsieur. There's one. You know what to do. All right, that's enough. Vandalism down here. Cessez votre activité illégale. Attention, il faut que je me mette de force. Get your baton out, partner. Ils ont pris un membre de la police. C'est illégal. Interaction. Oui, oui. Résoudre. Arrêtez le suspect. Tu n'en prends pas un membre de la police. Option d'escorte. Maintenant, faut que j'appuie sur option d'escorte. Appeler une unité d'escorte pour pouvoir l'appeler. Et voilà, c'est bon. Quelqu'un s'en chargera. Wait there. Arrêtez-vous. Hey. Au nom de la loi. All right, that's enough. Arrête-toi. Vandalisme. All right, that's enough. Alors. J'en viens juste arrêter. Oui, voilà, il faut que je monte. Merde, je suis fait comme un rat, bah tiens. Every arrest counts, even the petty ones. Résoudre. Refus d'obtempérer. Arrêtez, suspect. Might as well escort this brain box ourselves. Bien évidemment. Maintenir option d'escorte. Escorter le suspect, parce qu'on peut pas appeler de renfort. Et voilà, vous le mettez en cellule, celui-là. Je peux jamais le revoir. Oula, ah, faut que j'aille à l'hélipad carrément. Ah oui, complètement, genre, j'ai pas souvenir d'avoir fait ça. On peut prendre l'hélico. Mais lol. C'est aussi... Il y avait d'ailleurs, je l'ai dit normalement par défaut sur GTA sans... pas sans adresse, pardon. Shadow Noir, on pouvait pas prendre l'hélico, mais il y avait un cheat code qui permettait de l'avoir, et ça j'adorais. C'est vraiment, du coup, tu pouvais pas mourir de dégâts de chute. Alors, est-ce qu'on peut monter? Oui, on peut monter complètement. Wouah, trop bien! Arrêtez-vous, au nom de la loi! C'est bon, il y a une voiture police qui arrive derrière. Ah d'accord, je me comprends, en fait c'est moi qui donne les informations en fait sur le véhicule et sur l'emplacement du véhicule. Non, en fait je suis en train d'aider mes coéquipiers, je suis en train de capter. Arrête-toi. C'est ça. Carrefour de Fenwick, c'est le cul. C'est ça. C'est bon, il va s'arrêter. Attends, on a tout le commissariat. Ah bah c'est bon.
Comme quoi, c'était pas dur. Quelle hauteur on pourrait monter? Bah tiens. On est juste à côté du commissariat, ça. Ah bah c'est, on est au plus haut. Not bad, Rook. Not bad at all. Pas mal le bleu, tiens, mais avec ma couleur. Et ça parce que je suis flic, c'est ça? Allez, let's go. C'est fait. Nickel. Ah, c'est terminé! J'ai terminé, en fait. Je pensais pas que ça allait se finir aussi vite. Ah, je sais, le test, ça a été très très vite. Je pensais même pas que le jeu allait, entre guillemets, enfin, je veux dire, la démo allait se terminer aussi rapidement. Mais c'était vraiment bien sympathique.